Alors, on se retrouve pour une deuxième ouverture de courrier. Alors, c'était la fête dans ma boîte aux lettres. Franchement, trop bien. En plus, je vais garder les teints. Ils sont beaux. Donc là, c'est un petit envoi surprise que j'ai reçu de la part de Frisquette 69. Donc Frisquette, c'est Catherine. Alors Catherine, ben, ça fait déjà plusieurs envois qu'elle me fait ben, comme ça. Sans raison particulière. Donc là, emballée dans une magnifique boîte de Nescafé Cappuccino. Mais c'est pas grave, au moins ça tient le choc. Et du coup, je suis un peu gênée parce que ben, moi, je lui ai rien envoyé et ça me gêne un peu. Alors elle me dit oui, mais tu verras, c'est pas grand-chose. Oui, mais entre pas grand-chose et rien, ben, il y a quand même du pas grand-chose. Ah, cool! C'est le tuto que j'ai fait. Je m'en doutais un peu. Je m'en doutais un peu. C'est le tuto que j'ai fait du mini Happy Mail un peu style petit book. Donc, ah, ça, je reconnais. C'est les pompons Rosy Studio qu'il y avait eu chez Nos quand il y a eu les arrivages ben, Rosy Studio. Et ça, je les avais pas. J'en avais acheté, mais je ne les ai pas gardés. Je les ai envoyés à Carole qui était intéressée. Du coup, je lui avais renvoyé. Alors, ben, j'ai reconnu le format de mon petit Happy Mail. On va ouvrir la petite pochette. Oh, j'aime bien ce papier, il est très beau. Je ne sais pas d'où ça vient, mais il est très beau. For you. Si j'arrive à pas tout arracher, ce serait cool. Mais me connaissant. Ouais. Bon, presque. Presque, presque. Alors, qu'y a-t-il là-dedans? Une mini carte. Mini-mini, hein. C'est du rikiki-chinchin. Ça fait 8,5 par 6,5. Ça va être son petit mot. Oh, c'est gentil. Elle me dit qu'elle a adoré mon petit format de Happy Mail et que du coup, elle voulait me faire un petit clin d'œil pour me remercier du tuto. Mais je vous en prie, mes gens, les tutos, ça sert à ça. Ça sert à ça. C'est pour vous faire plaisir et pour partager. Alors, du coup, là, elle a mis une petite déco avec des. Alors, vous m'excuserez, je ne sais pas trop comment ça s'appelle parce que c'est pas mon univers à la base, les gorgeous, les poupettes, les machins. Donc, c'est une petite fille, mais je ne sais pas trop. Mais c'est joli. With love. Bah oui, with love. C'est joli, hein? Alors, j'ai vu qu'elle a envoyé à peu près le même à Véro. Véro Scrap. Bah, c'est le même en fait, quasiment. Pas trop cool. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, elle a fait un petit. Ah, c'est mignon. C'est comme un téléphone, non? Ouais, un écran de téléphone, je pense. Pour mettre des petites photos. Un petit accordéon, c'est chouette. Alors, les papiers, je ne les connais pas du tout, mais c'est joli. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça devait être là en fait. Ça s'est fait la malle, mais ça devait être ici dans la petite pochette. Moi, j'ai continué le mien, mais il est toujours pas fini. Je vous avais fait le tuto, mais il est toujours dans son jus, on va dire. Alors, qu'avons-nous? Oh, on a une deuxième petite enveloppe for you. Thank you. Mais c'est cool ça. Mais je suis gâtée en ce moment. Vous me gâtez trop, hein? Non, en vrai, j'avoue, vous me gâtez trop. C'est trop. Ça me fait plaisir, hein. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Mais c'est trop parce que je rends pas toujours l'appareil. Mais... Là, elle m'a fait une petite sucette. C'est rigolo. Ah, c'est marrant, les mini bâtonnets comme ça. Je sais pas où les hommes, mais c'est marrant. Avec un petit sticker Puffy. Pareil, hein, toute petite, petite. C'est mignon, merci beaucoup. Après, donc, elle m'a fait deux ATC. Donc, une avec une licorne qu'elle a colorisée. Donc, titre Choupicorne. Bon, 2 sur 2, du coup, j'ai pas sorti la bonne. Voilà. Date 23-9-22. Ah, dis donc, tu l'as fait il y a longtemps.
Pardon, j'ai tout mis son adresse et tout, mais bon, c'est pas grave. Vous verrez rien. Hein. Choupicorn. Ah, c'est vrai qu'elle est choupie. Ça va plaire à mes trois acolytes, là. Marie, Émilie et Lisa, la licorne créative, qui sont à fond dans les licornes. Deuxième ATC, donc 3 sur 3. Ballerina, 10, je pense. 9, 10, 22. Moi, les ATC, c'est vrai que j'ai du mal, hein. Je n'en sais pas. Donc, du coup, c'est marqué 3 sur 3, mais j'en ai que 2. Bon, c'est pas grave. Et là, on a un mix de genre de flocons. Alors, c'est entre le marron et le prune. C'est pas mal. Ça pourrait être pas mal aussi à inclure dans des cachets de cire. Ensuite, alors, on a une petite découpe de présentoir à macarons. Des petits ciseaux. Des crocodiles. Ils sont sympas. C'est un die, ça. Mais je ne l'ai pas acheté. Et je n'achèterai pas. Encore des petits ciseaux. Un autre gâteau. C'est pas con, hein, cette idée de petit livret au milieu. Je l'ai fait aussi sur l'autre. Je n'ai toujours pas fini, mais je l'ai fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que c'est ? Oh, ça m'embête. Faut que j'ouvre. Faut que j'abîme le papier, du coup. On va découper. Désolée, je découpe. Hein. Il y a quelque chose dedans. Alors, ah, c'est une gomme avec une petite, bon, une petite fille en fait. Mais ça, la gomme, je vais pas l'utiliser parce que ça me fait de mal d'utiliser une petite gomme comme ça. Je vais la garder. Merci beaucoup. Et ensuite, nous avons. Alors, oh, un petit trombone avec une petite boule avec des boules dedans. Mais ce format, il est vraiment sympa de Happy Mail. J'aime bien. J'aime bien. Ça me fait penser qu'il faudrait que je finisse le mien. Ce serait déjà pas mal. Ça fait vraiment limite faire une petite bibliothèque avec tous des goodies dedans. C'est cool, hein. Et ensuite, elle m'a fait deux mini enveloppes. Il n'y a rien d'écrit, mais il y a deux petites, toutes mini, des mini enveloppes, hop, c'est tout mignon. Ça, je vais les réutiliser, je vais les garder de côté, parce que je vais les réutiliser, c'est chouette. Mais en tout cas, merci beaucoup, je vais garder tout ça, parce que ça, je trouve que ça pourrait faire un joli petit bijou aussi. Bah, merci beaucoup Catherine, hein. Franchement, c'est super gentil. Je pense que je vais me faire une pochette à ATC. Parce que apparemment c'est la mode et beaucoup en font, et si j'en reçois, je me dis que j'aurai des pochettes. Donc là, pour l'instant, je vais laisser dedans, je vais tout laisser parce que je vais certainement faire des petites photos. Et puis voilà. Bah, en tout cas, Catherine, merci beaucoup, c'est super gentil d'avoir pensé à moi. Et en plus, c'était pas prévu. Ça me touche. Et le petit sachet là, il est mignon. Un petit lapinou. Bon, non, c'est un lapin, hein, c'est pas un chat. Ouais. J'aime bien. Merci. Et là, les timbres, je vais les garder. Même s'ils sont tamponnés, je vais les garder quand même. Voilà. Merci. Je vous fais des gros bisous. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.